Donc le shabala, pareil, geste technique souvent utilisé par les ailiers ou pour les tirs à 6 mètres, aussi les pivots. Donc c'est un geste technique qui consiste à faire semblant de tirer fort et surtout entraîner le gardien à se baisser pour lui passer une balle plutôt légère au-dessus de la tête ou en tout cas un peu en hauteur. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit précis, juste faire semblant de tirer fort pour poser la balle tout doucement. Ça coïncide avec... avec ce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport au geste, essayer de garder le maximum le même geste, la même gestuelle pour pouvoir cacher le geste technique que tu vas faire à la fin de ton shoot. Donc bien sauter, bien retarder son tir et faire le bon choix de shoot au bon moment. Donc le shabala par exemple, c'est un très bon choix de shoot quand le gardien, tu sais qu'il va se baisser. Donc le shabala que vous venez de voir, c'est assez classique. J'ai attiré le gardien au premier poteau, donc toujours à sa droite, pour pouvoir caler la balle deuxième poteau tout doucement. Là, je vais vous montrer un autre style de shabala qui coïncide avec le fait d'attirer le gardien vers le bas pour pouvoir déposer la balle tout doucement au-dessus de sa tête. Donc je vais vous montrer. Un troisième shabala utilisé. Là, les prises de balle étaient plutôt par-dessus, comme ça. Là, ça va être une prise de balle plus en dessous. Donc pareil, le même système, même principe de faire plutôt descendre le gardien pour lui remonter la balle au-dessus de la tête.